plantation à côté d'une vache rouge des prés Fleurette. Alors cette race est présente sur mon exploitation tout simplement pour utiliser un maximum les fourrages grossiers de l'exploitation. Parce que dans mon idée, produire de la qualité au niveau de la viande, il faut absolument trouver un bon compromis entre une race et une production locale et donc sur l'exploitation, et notamment l'herbe produite sur l'exploitation. Et la race rouge des prés est complètement adaptée à ce système. Et c'est grâce aussi à cette combinaison entre la race et la production sur l'exploitation qu'elle a obtenu une appellation d'origine contrôlée qui nous permet derrière de bien valoriser nos animaux au niveau de la viande. Donc alors là, vous trouvez dans le magasin donc les Beauprés. Donc ça, c'est le prolongement de l'exploitation. Donc tous les vendredis matin, je me retrouve de permanence au magasin. Et c'est là que je peux mettre en avant tous mes produits et quelque part retranscrire toute l'énergie que je mets sur mon exploitation pour avoir des animaux de bonne qualité. Et c'est grâce au magasin et à la vente directe que j'arrive à vendre mes produits et avoir un contact avec le consommateur pour pouvoir transmettre toutes les qualités gustatives de la rouge des prés qui, par son appellation d'origine contrôlée, a des différences par rapport aux autres races.